Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte de jeu en live un peu spéciale, car là je suis sur PC, c'est la première fois que ça m'arrive. En 60-70 vidéos j'ai toujours été sur console, et là je me suis lancé sur PC. En fait je viens de découvrir ce petit jeu de VTT, de descente, MTB Freeride, donc je dis en français MTB, MTB, je ne sais pas. Et franchement il m'a éclaté, je me suis dit, j'ai joué 5 minutes environ, je me suis dit, allez je vais le faire avec vous. Ça m'a tenté, donc je vais vous montrer un peu ce que c'est, regardez-moi ça. Donc c'est vraiment un petit jeu de descente, vous voyez, super fun. Alors, pourquoi... Oh là là, oh là, il y a un peu de lag parce que j'ai pas réglé encore vraiment les graphismes par rapport à ma config. Bon, on va laisser comme ça, hein. Il y aura un petit peu de lag de temps en temps, mais sinon c'est assez fluide. Et alors, pourquoi... Vous voyez, c'est... oh là, ça sent la chute. Ouh, la chute. Ouh. Pourquoi ce jeu? Vous le savez peut-être pas, mais en fait, à la base, je suis cycliste. J'ai fait 20 ans de vélo en compétition, mais sur route, donc pas de VTT. Mais j'ai toujours fait du VTT quand même, parce que j'adore ça. Et donc, voilà pourquoi j'ai mon casque sur la tête, parce que il faut se protéger en vélo. Donc j'ai mis mon casque, parce que les gamelles sont vite arrivées. Et au moins, je suis dedans. J'ai l'impression d'être protégé, parce que je vous jure que le jeu, on a vraiment l'impression d'être dans... d'être avec un VTT de descente, quoi. J'en ai fait un petit peu et franchement les sensations sont là. C'est vraiment super super fun. Alors je m'excuse. Je m'excuse. On va y aller doucement. Voilà. Je m'excuse d'avance pour la qualité parce que c'est mon première fois que je fais sur sur PC. On va y aller doucement. Ah non, je l'ai loupé. Oh putain, j'ai loupé. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc on accélère, on recule, on freine. Vous voyez, les petites gâchettes sur les freins, on voit. On peut sauter. On peut mettre le vélo en avant, donc mettre la pression sur l'arrière ou sur l'avant, vous voyez. Donc pour vraiment, on peut aussi se pencher normalement. Donc là, j'ai pas là sur les options. Bon, c'est pas grave. Donc on peut faire vraiment énormément de trucs et c'est vraiment super, super fun. On va prendre par là. On n'a jamais pris par là. Ouf. Ah là là, ça sent la gamelle. Ça sent la gamelle. Oh non, même pas, je tombe pas. Oh putain. Oula, ouh, la maîtrise. Alors là, je ne sais plus le sens. Non, là, je suis dans le mauvais sens. Hop, on va repartir par là. Donc, ce jeu MTB Full Ride. Oh là, c'est la gamelle. Oh non, je passe. C'est un jeu que j'ai chopé sur la plateforme Desura. Donc, c'est une plateforme comme Steam, mais là, c'est Desura. J'essaierai de vous mettre le lien de cette plateforme en description de ma chaîne. C'est un petit jeu qui est, d'après moi, qui est en... Voilà, là je suis putain, là je suis à l'arrêt. Qui est encore en bêta, donc du coup, là il est gratuit, donc vous pouvez faire une petite descente comme ça, fun. Gratuitement, les graphismes sont plutôt pas mal. Donc là j'ai mis à fond, mais j'aurais peut-être pas dû. Oups. Oh là là, je me prends des gammes. On va essayer de faire une petite descente propre. On va se lancer dans une petite descente propre tout de suite. Voilà. Regardez, on va se concentrer 2 secondes. Voilà. Mais c'est super, je vous assure que c'est super bien fait. Voilà. Ouh là 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 là. On va pas prendre trop. Ah, là, je vois plus le chemin. Je vois plus le chemin. Ah, il est là. Perdu de la vitesse, du coup. Je pense que ça peut vraiment vous amuser. Allez. Hop. Là, je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Oh, pas assez d'élan. Je vais pas prendre ce chemin-là parce qu'il a l'air assez dur. On va partir. Donc, par là. Et on va prendre là. Celui-là. Qui m'a l'air un peu plus praticable pour un débutant sur ce jeu. Comme je vous dis, j'ai 5 minutes et je m'éclate déjà. Donc je pense qu'après quelques heures de jeu, il y a vraiment moyen de faire un truc super super sympa. Hop. Oula, oula, oula. Dans les forêts comme ça, c'est chaud parce qu'il y a avec les armes. Comme en vrai. Hein. Oh putain. Oula, j'ai pilé. Oh non. Non, 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 non. Donc c'est un jeu où vous allez passer deux heures à recommencer les mêmes choses, mais c'est pas grave, parce que le but c'est vraiment de réussir à passer à fond proprement. Vous voyez, là j'étais un peu trop vite. Voilà, on recommence tout de suite. Allez, là je me concentre, vous allez voir. Je me concentre, je vais faire une belle descente. Voilà, là on part vite, hop, hop, hop. On va essayer de prendre les bonnes trajectoires, parce que si on VTT, c'est primordial. Ah, là maintenant on commence à connaître celui-là, voilà, là on passe à fond là. Arrivé à la forêt, on freine. Donc j'ai pas trouvé pour doser le freinage avant et arrière qui est sur VTT très très important. Là on freine des deux en même temps, donc oh putain, j'ai failli me planter, j'ai frôlé là. Voilà, donc là on avance un petit peu.
Là, je vais pas aller trop vite pour pas faire un trop gros saut. J'ai failli y aller. Alors là, je crois que c'est ici où il y a... Voilà, il y a ça, là. Voilà. Regardez-moi ça, c'est super bien fait. Ouh, j'ai eu mal. Il est où le parcours? J'y vais doucement pour vous faire découvrir un peu là. Oh putain, une descente. Regardez-moi cette sensation de vitesse. Non, je suis debout, Oh putain. Oh, c'est pas vrai. Bon, on va essayer de faire un autre parcours. Alors là, j'y suis passé tout à l'heure, à droite, j'arrive pas à retomber. Regardez, je vais vous montrer là. Regardez-moi ça. Là, vous partez sur un saut de psychopathe. Voilà, je n'arrive pas à... Je pense qu'il faut que je mette la roue un peu arrière. On va essayer. On va mettre un peu la roue arrière. Et on va faire ça. Hop. Voilà, comme ça. Se pencher un peu. Ah, j'avais réussi presque. On va essayer une dernière fois. Ah, le jeu, je crois qu'il plantait. Bon, je vous dis désolé pour les graphismes. J'ai pas réglé. Direct, quand j'ai vu le jeu, j'ai dit je le fais avec vous. J'ai vraiment voulu... Ouais, non, j'y arriverai pas. Faudra que je travaille ça. J'ai voulu le faire avec vous, donc là je suis vraiment en réglage à fond, donc c'est clair qu'il y aura des petits bugs et tout, mais bon, franchement c'est jouable pour moi, donc je pense que c'est regardable pour vous. Je réglerai ça, on fera des vidéos, je pense, une ou deux, pour s'éclater ensemble, voir mes progrès sur ce jeu. Car je crois que je vais jouer pas mal. Et voir s'il n'y a pas une version complète payante ou pas, et franchement... J'investirai parce que cette bêta m'a plus que convaincu. Heureusement que j'ai mis mon casque parce que vu le nombre de chutes que j'ai pris. Donc surtout quand vous faites du vélo les copains, mettez vos casques. Je sais que c'est pas beau tout ça, mais ça peut vous sauver des vies. Moment sécurité routière. Je vous dis ça comme j'ai pris de nombreuses grosses chutes, surtout sur la tête, je peux te dire que j'ai eu des casques dans... Oh merde. Dans des états, mais pas possible, quoi. Pas possible. Je me dis, sans casque, j'étais mort, quoi. Oh, on va essayer de passer par là. Attendez. Ah non, là, ça tombe. C'est super bien fait, franchement. Bon, le gameplay, on va pas le faire super long. On va refaire une dernière petite descente propre, là, et on va arrêter. Ouh, j'ai sauté juste avant, j'aurais pas fait. Attendez, non, on l'a refait. Parce que j'ai appuyé sur le saut et j'aurais pas dû. On a essayé d'aller loin dans une petite descente là et après on arrête là et je vous referai des gameplays avec le graphisme réglé et tout pour qu'il n'y ait pas de bug. Alors il n'y en a pas eu trop je trouve, il y en a un petit peu mais franchement c'est rien sur un jeu super rapide comme ça. Oh là là, on est parti, oh là je m'emballe. Gros coup de frein, voilà. Oh non, ah, une dernière fois, vous voyez ce jeu là, je serais capable d'y jouer des heures. C'est un vrai défi pour moi. Ouais, alors là, je suis parti à fond. C'est gamé. Ouf, j'ai réussi à stopper. Alors, on va partir par là. Voilà, on va partir par là. Oh là, je crois que je suis plus dans un parcours là. Si, ça y est, j'en ai rechopé un. Voilà, j'ai rechopé l'autre. Allez, go. On va y aller à fond. Doucement. Bon, c'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment, comme j'ai vu qu'il y avait déjà des vidéos depuis plusieurs mois de youtubeurs. Mais moi je me suis dit voilà, je l'ai trouvé fun, je l'ai testé, j'ai dit direct je le fais avec vous. Ça m'a vraiment plu, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec ce jeu. Ça va pas plaire à tout le monde, hein, c'est pas du Call of. Là j'y vais doucement parce que j'ai envie d'avancer un peu avec vous. Là on va à la droite. Voilà, tout à l'heure on n'a pas été, là on est à gauche. Donc il y a plein de parcours différents en plus. Hop. Ouais, c'est super bien fait, je sais pas si... Il y en a... Oh là 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 là, ça sent la chute. Ouais. Bon allez, on va rester là. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit jeu m'a bien éclaté, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger, je vais vous mettre le lien en dessous de la plateforme de téléchargement, vous tapez MTB Freeride, vous allez tomber dessus, c'est gratuit, vous pouvez le tester, et dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, et si vous l'avez téléchargé ou pas. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, ciao. Bon écoute, t'as aimé ma vidéo? Alors like, si t'as envie de t'abonner, appuie juste là, abonne-toi, clique ici, et regarde ma dernière vidéo. Et pourquoi pas celle de Retro Gaming ? Allez, merci, ciao !